Donc évidemment, très peu de montage pour moi parce qu'on n'a fait que parler. En fait, j'ai posé le télé. En fait, c'est un vlog. Le rôle du jour offert par la maison. Ça, c'était mes clés et je les emmerde. On a posé le téléphone. Il y a une partie où on était en statique parce que c'était avant que j'aille chez ma kiné. Et après, la partie est roulante. Donc, en fait, ça va vous faire un vrai vlog. Et là, vraiment, je pense que niveau anecdote, on est au top. Donc, comment ça va se passer? C'est que je sais, évidemment, que j'ai une communauté sur Instagram et une communauté sur YouTube, tu vois. Donc, en fait, celle de YouTube n'est absolument pas, entre guillemets, pour la plupart, au courant que je prépare un vlog comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai fait une intro de 3 minutes sur ma vidéo où j'explique le contexte que je faisais ça à la base sur Instagram, mais que j'ai préféré le faire sur YouTube. Ce qui est quand même incroyable, c'est en ayant passé cet après-midi, en fait, si tu veux, à discuter, et c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme une espèce d'introspection de ma vie, parce que quand un garde du corps, il est tout le temps avec toi, on est d'accord là-dessus, tu vois. Et pendant 22 ans, what? Deuxième row gratuit de la journée, hein, ferme-la, quelque part. Donc du coup, quelqu'un qui a passé 22 ans quasi quotidiennement avec toi, eh bien, c'est évident qu'il y a 1000 anecdotes, entre guillemets, dont je ne me rappelais plus, qui lui se rappelait. Et moi, je disais, ah, mais oui, putain, etc. Donc, c'est vrai que ça va être hyper intéressant, entre guillemets, à regarder pour certains d'entre vous qui êtes dans ce délire. Mais moi, ça a été hyper intéressant pour moi à réaliser parce que je me suis rendu compte de plusieurs trucs.